Une nouvelle série d'objectifs pour aborder les problèmes mondiaux est en cours d'élaboration. Les dirigeants du monde se réunissent pour adopter les objectifs de développement durable, les ODD. Leur slogan, ne laissez personne de côté. Chez Médecins Sans Frontières, nous voulons savoir comment ces objectifs se concrétiseront en actes pour qu'ils ne restent pas que des vœux pieux. Les objectifs de santé d'ici 2030. Réduire la mortalité infantile et maternelle. Mettre fin aux épidémies telles que le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Garantir un meilleur accès aux soins de santé, aux vaccins et aux médicaments. Mettre fin à la malnutrition. Améliorer la réponse aux urgences. Ces objectifs ambitieux prédisent une fin heureuse dans 15 ans. Les ODD guideront les plans de santé de nombreux pays, institutions internationales et bailleurs de fonds. Mais la réalité ne colle pas avec ce qu'ils promettent. Pourquoi ? Aujourd'hui, d'importantes lacunes dans la provision de soins continuent à détruire des vies et à paralyser des communautés. Les financements internationaux pour la santé sont en diminution. Les pays à revenus intermédiaires, où vivent 70% des personnes les plus pauvres du monde, perdent le soutien de la communauté internationale. Il est demandé aux pays d'être plus autonomes, ce qui affecte la qualité et l'accès aux soins. Les pays sont obligés de choisir entre la santé et beaucoup d'autres secteurs. Alors, que doit-il se passer ? Les plans devraient être basés sur les besoins des populations, pas sur des schémas économiques irréalistes. Les progrès réalisés en santé doivent être accélérés et non freinés. La santé des populations les plus vulnérables doit être la priorité. Offrez aux gens les soins de santé dont ils ont besoin, pas ceux qu'ils peuvent payer. Ne laissez personne de côté. Sans action réelle, ce n'est qu'un slogan.